Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Tiens, je l'ai raté. Attention ici. Ah là, il faut rouler. Ah là là, il faut courir vite, 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 vite. Ça va, c'est bon. Vite, il faut courir. Vite, il faut courir, 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 courir. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il faut courir, il faut courir, 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 se soigner, se soigner. Voilà, il est quasi mort. Où est-ce qu'il est? Il est là.
Qu'est-ce qu'il fait encore? Ouais, ça, il faut le taper. Essayer de le taper. Il se régénère. Attention parce que... Il se régénère sans douille. Il est quasi mort, hein. Il n'y a plus grand chose. Attention, il fait une grosse dégâts de zone. Ouais, il est mort. Je l'ai eu. Waouh. C'est pas évident, hein. 4-5 essais. C'est chaud, hein. Il faut rester au contact le plus possible. Et quand il génère sa... Sa espèce d'aura noire qui vous empoisonne, il faut reculer, rouler ou courir, puis prendre votre potion, attendre qu'il revienne au contact et de nouveau tourner autour comme j'ai fait. C'est pas évident. Mais c'est tout à fait jouable. L'infiltré est battu. Cristal du voyageur, objet de quête. 4600 XP, c'est pas beaucoup, hein. Un succès. Barricade. L'infiltré vaincu. Est-ce qu'il y a des choses à ramasser? Je vois rien. Je crois qu'une potion, hein. Je vois rien à ramasser dans le coin. Ah, par contre, elle est là. Donc là, ah voilà, ici. Il y a un truc à ramasser ici. Qu'est-ce qu'on obtient? Uras, arme d'ast légendaire et rune scellée grande. Ok, on va voir l'arme d'ast légendaire, ce que c'est. Alors, voyons voir. Urast, hein, on a dit. Elle doit être tout en haut, peut-être. Non. Où est-ce qu'elle est? Urast, arme d'ast légendaire, voilà, Y. Urast, arme d'ast, main principale, dégâts 69, puissance 100, énergie 160%, poids 250. Attaque lourde qui crée un bassin de guérison. Oh, ça c'est intéressant. Uras, c'était un mot très important. Il faut combien pour la porter? Échelle de force 9, il faut 16 en force. Ça c'est pas mal du tout. Je l'écrirais bien comme deuxième arme, ça. Rien que pour tester le bassin de guérison. Dégâts physiques 69. Échelle de force. Et malheureusement, elle n'a pas de rune. Hein. Ah, ça c'est dommage. C'est dommage qu'elle n'a pas de rune. Ah. Dommage. Allez, on va lui parler. Cette vidéo s'achève ici, je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.